Et bonsoir les gens, c'est Willy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Ça faisait un petit peu longtemps, ça faisait environ quoi, un petit mois et demi, que j'avais pas fait de vidéo sur ce petit jeu. J'avais fait une petite pause, j'avais joué un petit peu de mon côté, j'ai pas fait grand chose, hein, je me suis un petit peu baladé à droite à gauche, j'ai récupéré 3 armes, j'ai combattu des linelles, j'ai fait tester le jeu à des gens. Du coup, j'ai pas fait grand chose sans vous. Et ça me manquait, j'ai vu que ça vous manquait un petit peu aussi. Du coup, j'avais envie de retourner un petit peu dessus en vidéo tranquillement pour faire du secondaire, des quêtes secondaires, notamment un peu de quêtes de DLC aussi. Notamment une qui m'intéresse particulièrement, ça serait celle du masque Korogu. Oula. Hop. Bon, on n'a pas trop perdu la main. Tiens, on va mettre un bouclier comme ça. Hop. Et en arme, on va laisser cette épée. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. Ah, j'avais pas le plein d'arc. Ok, bon, on va apprendre. Du coup, je disais oui, la quête des masques Korogu. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. La rumeur prétend qu'il existe un objet appelé le masque Korogu, capable de révéler à son porteur la présence de Korogu caché à proximité. Il semble que l'édition spéciale X de Bourgette C'est Tout, consultable au Relais Forêt, contienne des détails sur ce sujet. Ok. Faudra aller au Relais de la Forêt. C'est là. On peut y aller en vol, non? Oui, c'est largement possible. Bien, allons-y. Parce que je pense que le masque Korogu, c'est ce qui nous permettra de choper tous les Korogus sans trop nous casser la tête à vraiment regarder dans tous les recoins du monde. Et comme ça, on pourra s'attarder à faire plus les missions secondaires et à poser le Korogu comme ça, grâce au masque, et à les faire en chemin au lieu de vraiment s'atteler 100% que sur ça. Ah, il y a Terry. Ça fait longtemps, lui aussi, il faut que j'achète des trucs. Voilà, j'ai l'impression que ça fait des années que je suis partout sur Zelda. Oui, je vais acheter. C'est bon, j'ai de l'argent. On va racheter plein de flèches parce que j'en ai plus beaucoup. 120 rubis, allez. Et ça, j'achète. Le reste, on s'en fout un peu. Laisse tomber. Du coup, qui je devais aller regarder ici? Ah, attendez, attendez. Ah, ça serait pas ce livre, parce qu'il me parle d'édition spéciale. Oui, c'est ça. Bourgeat C'est Tout et spécial X, volume 1. Bourgeat revient à la chasse. De jour comme de nuit, toujours en première ligne pour l'amour du potin. Pour vous, mes chers lecteurs, la toute dernière rumeur en exclusivité mondiale. Attention, elle est encore chaude. L'incroyable masque de Korogu. C'est de notoriété publique, un objet dont on prend grand soin finit la plupart du temps par abriter un esprit errant. Eh bien, il semble que cela soit le cas pour le masque dont je vous parle. Il suffirait de se promener avec pour qu'il frissonne sporadiquement et ponctue votre balade d'adorables petits cris. Se pourrait-il qu'il réagisse à la présence de ses congénères à couvert? Le masque serait caché dans un coffre, au creux d'un vieil arbre terrifiant, dans une forêt où s'égarent les voyageurs. On s'imagine mal conduire ses recherches dans un endroit pareil, à moins qu'il existe une méthode plus pratique. Intérêt? 5 étoiles. Ah, bah voilà. Eh bien, on va aller dans la forêt Korogu. Ok. Je suis retourné à l'entrée de la forêt Korogu parce que je me dis que ça va être peut-être par là que on peut récupérer le masque. Ok, c'est par là. J'ai pas de torche. Attendez, il me faudrait une petite torche. D'accord, je peux pas retourner en arrière, sinon je me fais kidnapper. Bon. Il suffit juste de suivre les flammes.
Hop. Ok, par là. Par là. Et maintenant, attendez, on va essayer d'utiliser Polaris. Pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit coffre qui traîne. Ouf, le lag. Là. Ça serait pas ça. Non. Ça, c'est un truc nul. Ah oui, je peux pas trop m'éloigner, sinon je me fais baiser par le truc. Qu'est-ce que je vais devoir balancer alors? Allez, hop. Par contre, j'espère que c'est pas Lance Sylvain qui va me baiser mon truc. Hop. Ah, oh, je crois que c'est ça qui va m'empêcher d'avoir. 100% elle était là, mais il faut que le coffre il soit déjà ouvert. Sinon c'est où? Qu'est-ce que je pourrais jeter là-dedans? J'ai que des bonnes armes, donc c'est chiant de jeter tout le temps à quelque chose. Allez, le brise-roc. Ça a l'air d'être par là. Ah, peut-être ici. Non. Alors en plus j'ai éteint ma torche. On va essayer d'avancer un petit peu au pif. Oh, il m'a fait peur. Ah, un coffre ex. Ok, c'était ici. Ok, on a trouvé. Ce masque inspiré de celui qui porte les Korogu se met à vibrer si l'un d'entre eux se cache à proximité. Il s'agit d'un article rare et difficile à se procurer. Je vais me l'enfiler, hein. Hop. Du coup, on termine, on peut se casser. Oui, on va se casser, parce que j'ai aucun intérêt à rester ici, on peut j'aime pas cette forêt. Où est-ce qu'on pourrait aller? Peut-être se balader vers le centre d'Hyrule. Autour des relais pour voir s'il n'y a pas des petites missions à faire. Je pense qu'on pourrait faire ça et faire un petit épisode plutôt tranquille. Mon dieu, mais il peut tout le temps en ce monde. C'est infâme, ça. J'ai l'impression que ça fait... J'ai passé 3 jours, il y a 3 jours qu'il pleut, quoi. C'est horriblement chiant. Ah, une quête. Tu as vu le château au nord d'ici? C'est le château d'Hyrule. On raconte qu'il a été dévasté il y a de cela un siècle. L'endroit regorge d'armes anciennes et de trésors, alors j'aimerais y aller de temps en temps pour faire de la récup. J'espérais dénicher une de ces armes de la garde royale. C'est le rêve de tout collectionneur. J'aimerais tant en avoir une un jour. Ok. Ouais. En avoir une. Les armes de la garde royale. J'en ai, non? Oui, je peux... Attends une seconde, je peux voir ce bouclier? Je n'en crois pas mes yeux. Merci, tu m'as montré quelque chose de vraiment exceptionnel. T'en aurais pas deux par hasard? Ça ne coûtait rien de demander. Bref, accepte ceci en gage de ma gratitude. Oh, bah c'est pas trop mal. Hop. Ouais, lui, il voulait goûter des trucs. Bah, y a pas d'autres monsieur qui voulait des quêtes ici, non? Ouais, hein, je crois que c'était tout. Bah, du coup, on peut aller se TP.
Je ne sais où. Ou sinon, je prends Epona et j'avance et si je croise quelque chose, je... Je vous montre. Donc déjà, je vais récupérer Epona. Il y avait une mission pour récupérer le cheval de Zelda. Faudra qu'on la fasse aussi un jour. Ok. Donc, je vais essayer de me rendre par là. À moins qu'il y ait un autre relais par ici, mais... Je crois pas, hein. Il y a celui qui est là-bas. Non, on va passer par là pour aller là-bas. Allez, hop. Comme ça. En même temps, si je vois qu'il y a un Korogu, je pourrais aller le chercher. Enfin, je sais pas à quelle distance ça fonctionne, ce masque. Donc, ça se trouve, faut juste être vraiment à côté du Korogu pour qu'il le capte, mais... Oh, je pense qu'il y a quand même une petite distance. Bref. On va avancer, hein. Si je croise des PNJ, ça pourrait être intéressant aussi. Mais a priori, rien de ouf. Ah zut. Oula. Il est sérieux lui. Voilà. Du coup, il y avait quoi dans ce coffre? Un espadon royal. Ouais, non, j'ai vraiment que des bonnes armes, hein, donc ça sert à rien de le prendre. Oh. Hop. Ah, yes, ça. Et on se casse. Après, ils sont tous morts, mais... On n'est jamais trop prudent. Je vais passer dans cette forêt, parce que... Peut-être qu'il y a un Korogu... qui s'y cache. Non, ça a l'air de... d'être plutôt calme. Ah, mais avance! Idiot! Mais y'a rien! Oh, qu'est-ce qu'il est idiot ce cheval! Ouais, y'a pas grand-chose à faire, hein! Partout des moblines, des bocoblines. Ah, faut aider des gens. Oh, reste pas là à gober des mouches, fais quelque chose. Ouais, je veux me battre. Je vais te battre. Regarde, tu tiens même pas debout quand je te mets un coup d'épée. Pauvre nul. Oh, elle peut me frapper.
Ouais. Ok. Ok, elles ont despawn. Y a pas de... Ouais, le relais de l'orée de la plaine. Sanctuaire de Rouillot, t'as eu. Y a pas des grosses missions là, bien intéressantes à faire. Parce que là, je suis pas convaincu. Personne a besoin de mission ici? Non, personne. Oh. Bourgeotte, c'est tout. Volume 3. Bourgeotte, chasseuse de scoop au matin, du matin au soir, même les jours fériés. À vous les derniers ragots. Et voici la rumeur qui vous intéresse cette fois-ci. Le mystère des Korogus. Du plus profond de la nuit noire, alors que même les arbres sont dormis, on peut savoir des créatures. En fait, il semblerait que l'ordre n'ait pas d'importance, mais ça faisait mieux comme ça. Il paraît qu'elle se cache sous les pierres et dans des coins suspects où personne ne va. Ah, mais je m'en fous. C'est pas comme si je le savais dès le début, ça. Sinon, ouais, personne n'a l'air d'avoir besoin d'être ici. C'est malheureux. Je regarde dans mon carnet de mission parce que sinon on va tourner tout en rond sans rien faire. Alors. Mode de beurre à Turbo Max, est-ce que j'en ai? Je crois que j'ai une mode de beurre. Ouais. Est-ce que j'ai un Turbo Max? Oui! On va au village d'Ikari. Le village d'Ikari, il était là. Ah! Mon Korogu, mon masque, il a fait un bruit. Il a gémi. Attends 2 secondes. Peut-être que c'est là-haut. Hop, hop, hop. Non. Où est-ce que ça peut être? Je suis en train de comprendre le fonctionnement du truc parce que je sais pas s'il s'excite quand je m'approche ou pas, mais oh, quelqu'un veut une quête là. Salut voyageur, moi c'est c'est Bakias, le pêcheur. Mais même si je pêche pas vraiment en ce moment, il y a des monstres qui squattent tous les meilleurs coins de pêche à côté de la plage d'Arezzo. Quand j'y pense, le bon poisson que j'en ramènerai là-bas, ça me défrise. T'as l'air plutôt balèze, dis-moi. Ça dirait pas d'aller botter les fesses? No problemo. Wahaha. Voilà ce que j'aime entendre. Si tu vas à la plage d'Arezzo, tu verras que les monstres qui ont monté un camp. Je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce que tu dois en faire. Ça, on le fera après. D'abord... Ah! Oh, le chien! Il s'est caché. Toi aussi, tu te caches de la pluie? Ah, celle qui voulait une paella ou je sais pas quoi. Oh. Bon bah je vais aller chasser les monstres. Hein. On va aller chasser les monstres. Où est-ce qu'elle est sa quête à l'autre? Voilà. Allez, on est parti. Mais ouais, on va faire les petites missions du village des Carailles pour aujourd'hui. J'aurais bien aimé trouver un ou deux Korogus, mais bon, je ne sais pas trop comment fonctionne le masque. Il a pas l'air très précis. Il a l'air de sonner juste quand il voit qu'il y a un Korogus, mais
Sinon, il capte pas trop et il y a un Stalinox. Est-ce que je l'ai pris en photo? Non. Si. Je ne sais plus. Allez. Je pense qu'on va le tuer, tout simplement. Qu'est-ce qu'il me drop déjà, lui? À part des armes. Ouais, rien de... très excitant. Allez, on y va. Ah, y a rien ici. Ouais, faut que je contourne tout le gros rocher pour arriver à la plage. Ah, mais je crois que j'étais déjà allé ici, moi. Je sais plus pourquoi. Sûrement quand je suis allé au village des Caries pour la première fois. Peut-être que je m'étais fait démolir, je ne sais plus. Mais je me rappelle déjà peut-être passé par là. Allez. On va tuer les mobs qui traînent en quelques secondes. Non mais dis donc. Voilà. Bon. Comment y accéder discrètement? Comme ça. Voilà. Bon. Comment y accéder discrètement? Comme ça. Voilà. Bon. Comment y accéder discrètement? Ah bah, je n'ai pas l'impression que je suis devenu plus fort. J'ai l'impression de me débrouiller vachement bien. Pourtant, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vraiment joué comparé au let's play. Après, j'ai un stuff sur PT aussi et j'attaque des petits bokoblins nuls, mais... je sais pas, je trouve qu'il y a un peu des deux. Genre, il y a des bokoblins nuls et il y a moi qui sois très fort. Allez hop. Par contre, avec ça comme. Comme mob. Non, il y en avait d'autres. Mais ils sont où? Ah, il y en a un autre là-bas. Je l'avais pas vu. Hop là. Et voilà le travail, la plage est nettoyée. Oula, par contre, j'espère que mon son de jeu n'est pas trop fort, parce que je viens de voir qu'il vient de gueuler dans le record. Je sais pas, je galère à jauger un peu le son en ce moment, parce que je sais pas si c'est mon micro qui fait un truc qui se tape des délires ou pas, mais j'ai l'impression d'un coup, il est
plus sensible que d'autres et du coup bah on m'entend plus que d'autres fois. Contrairement au jeu qui reste pareil, assez bas. Alba Royal, on s'en fout, c'est nul. Ah attendez. Faut peut-être que je le prenne en photo au cas où. Donc hop, on va acheter ça. On va le prendre en photo. Parce qu'à tous les coups, j'avais pas de torche. Top d'encyclopédie. On va prendre ça. Non, non, comment je jette déjà mes armes? Ah, comme ça. Ouh, je suis un peu de mal quand même dans mes touches. Voilà. Vas-y, on va récupérer ça parce qu'une torche, je m'en fous. Il n'y a plus rien à faire ici, donc je vais pouvoir retourner pour valider ma quête. Et aussi pour enfin faire ma paella des mers, parce que bon, l'autre elle allait se coucher pile au moment où j'allais lui proposer les ingrédients. Bon. C'était par là si je dis pas de bêtises. Ah bah voilà, elle déjà. Oh, je vois que tu as trouvé tous les ingrédients. Je peux les avoir? Bien sûr. Merci beaucoup, je les prends. J'espère que ça va être bon. Tiens, c'est pour te remercier. Allez, ne fais pas de manière. Au fait, tu veux manger avec nous? C'est presque prêt. Paella de la mer. Oh, c'est cheaté en plus. Cette spécialité maritime comblera les amateurs de fruits de mer, idéal pour un repas de fête aux accents océaniques. Bon appétit, j'espère que ça te plaira. Mais tu me donnes même pas la... Ouais, me donne même pas la... la recette. Et il pleut encore, mais c'est pas possible. Ah, mais ce jeu... Oula. Il pleut sans arrêt, c'est trop chiant. Eh, hey, bravo, il n'y a plus un monstre debout sur la plage d'Arezzo. On peut donc repartir pêcher là-bas. Et c'est tant mieux, parce que les poissons d'Arezzo sont délicieux. Prends ça. C'est le moins que je puisse faire pour te remercier. Ah. Eh, hey, franchement, rappelez-moi dans Zelda Breath of the Wild 2. Oula, le détecteur Kurogu s'excite. Il y a un truc par là. Non, moi je vois rien, hein. Oh, il y a encore un mec qui veut des choses. Tu es un voyageur? Bienvenue au village des Carailles. Je m'appelle Biscus et je suis le chef de ce village. Si tu veux des informations sur la région, n'hésite pas à me demander. Parle-moi du village. Le village des Carailles est un village de pêcheurs. J'étais d'ailleurs l'un d'entre eux quand j'étais plus jeune. Mais par le temps qu'il fait, inutile de songer à prendre la mer. Alors certains pêcheurs passent le temps avec des jeux d'argent. D'accord. Parle-moi des ruines. Bien, à l'est du village se trouve la plage de Palmeret. Elle n'est pas très loin et tu peux y aller à pied. C'est là-bas qu'il y a de vieilles ruines. Argos, un jeune village, il va souvent les explorer. Argos seront souvent aux ruines même quand il pleut. Ok. Mais il n'y a pas un truc à me demander? Non. Ok. Oui, le truc s'excite là, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est le Kurogu. Il a l'air de plus s'exciter là-bas. Peut-être qu'il est là-dessous. Ouais, j'ai pas l'impression, hein. Par contre, il y a des truffes. Et un bouclier. Ah, je peux pas prendre de photos quand je suis là-dessous. Hop. Ah, faut que je jette mes photos.
Voilà. Mais oui, c'est nul en fait le masque en gauche, je croyais que c'était un truc vachement utile et ça pue. Parce que là, regardez, il s'agite autant que j'aille par là ou que j'aille par là. Ok, c'est plus par là. Ah, mais c'est ce rocher là, non? Non. Quand il fait un bruit, c'est-à-dire qu'il y en a un à côté ou qu'il y en a un pas loin. Enfin, je me comprends quand je dis ça, mais... Genre, il y en a un à 3 pas d'ici ou il y en a un à 50 mètres. Est-ce qu'il serait pas là-haut, le Korogu? Non. Ah si! Ah bah, go le trouver, hein Il était invisible. Il était littéralement invisible, il n'y avait même pas une... une particule. Bon, moi je l'ai eu, mais... mais bon. Ah! Encore un. À tous les coups, il est encore en haut des palmiers. Oula, le jeu, il aime pas, hein. Mais what? Qu'est-ce que j'ai... que j'ai fait. Allez hop, on va voler, ça va être plus simple. Du coup on va checker en haut des palmiers, hein. Non. Ah. Ok, je l'ai vu celui-là. Par contre, si je peux pas grimper, ça va être chiant. Hop. Hop. Mais non! Allez. Mais non, mais accroche-toi. Banane. Il est où maintenant? Je le vois plus. Ok, il est là. Oh, ils sont bizarres les Korogu d'ici. Bon. Bah, je crois que je vais vous laisser là pour cet épisode. Hein. Il n'était pas très complet. On a essayé de faire des choses, mais... oh. Hop. On va manger ça. Ça va me rassurer, voilà, je mets mon chagrin dans le poisson. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode, qui était rempli de plein de petites quêtes. Je pense qu'on va faire ça pour les prochains épisodes, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud pour que je refasse un peu de Zelda les dimanches. Moi, perso, ça me botterait, donc à vous de choisir. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Et d'ici là, à très bientôt.